démoniaque qui s'élève contre ces moments. Tu anéantis leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Cela est nuisible pour ton entourage. Qu'est-ce qui est nuisible pour ton entourage? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? Cela est nuisible pour toi et ton entourage. Cela est nuisible pour toi et ton entourage. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? Qu'est-ce qui peut te détruire? Et qu'est-ce qui peut détruire aussi ton entourage? Il y a des actes que les gens posent. Il y a des comportements que les gens adoptent qui les détruisent eux-mêmes et qui font du mal aussi à leur entourage. Et ce matin, je veux que tu comprennes ce message dans la vérité. On célèbre le dimanche, jour du Seigneur, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir lui accorder, lui l'adorer. Venir adorer Dieu. Tu es là ce matin pour rendre un culte à Dieu. Reconnais son règne, reconnais qu'il est ton créateur, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Pour ça, tu es là. Et quand tu viens adorer Dieu, Dieu aussi se révèle à toi pour dire qu'il est content de ton adoration. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu as fait, avant d'être là ce matin, ça c'est quand on vient à la maison de Dieu, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour l'adorer. Le roc est culte. Et le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut te parler. Il veut te dire quelque chose pour ton bien. Le Seigneur veut te parler, pas pour t'offenser, pas pour te blesser. Et même cela te blesse, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Et d'ailleurs, le Seigneur ne parle pas pour blesser. Il parle pour donner la vie. Il parle pour restaurer, pour nourrir, pour relever ceux qui sont faibles. Matthieu chapitre 6, verset 5. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Jésus-Christ va condamner une attitude, un comportement destructeur qui détruit même la vie de celui qui le fait et qui détruit son peuple. Un comportement que des guides religieux, pour ne pas dire ses serviteurs, plusieurs d'entre eux, adoptent et qui n'honorent pas le Seigneur. Le Seigneur a fait d'eux des éclaireurs, des guides, des dévanciers. Le Seigneur a fait d'eux ceux-là que nous devons regarder et suivre. Mais malheureusement, plusieurs ont failli. Et le Seigneur s'adresse à tout son peuple, serviteur ou pas. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Mais en réalité, qui sont les hypocrites? Les hypocrites, en général, ont défini cela comme ceux-là qui font semblant. Mais l'hypocrisie va plus loin que ça. L'hypocrisie va plus loin que de faire semblant. L'hypocrisie est un mensonge. Dans l'hypocrisie, il y a plusieurs comportements. C'est comme quand tu prends un fruit. Tu prends une mangue. La mangue, elle est composée de plusieurs éléments. Il faut qu'on l'appelle la mangue. Il y a le noyau, il y a la chair, il y a la peau, il y a même les fibres, il y a l'eau qui est dedans, le sucre, la couleur de l'eau. Toutes ces choses-là sont les composants
du monde. Et dans la vie du chrétien, du croyant, de celui-là qui dit qu'il connaît Dieu et qui marche avec Dieu, il y a des comportements, il y a une attitude qu'il ne faut pas avoir dans sa vie. Parce que ce comportement-là a plusieurs composants qui détruisent sa vie et qui l'éloignent de Dieu et qui détruisent même son entourage. Et ce comportement, c'est l'hypocrisie. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, c'est-à-dire dans les temples, au coin des rues, pour être vu des hommes. Et quand il dit, les hypocrites sont ceux-là qui veulent se faire voir. Ils veulent qu'on sache que c'est eux. Ils veulent paraître. Les hypocrites veulent qu'on sache que c'est moi, j'occupe ça, c'est moi, je suis comme ci, c'est moi, je suis comme ci, c'est moi, je fais ceci. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et Jésus va parler aux hommes religieux de son temps, il va parler à ces hommes et à ces femmes, à ces personnes, à ces éclaireurs, à ces guides religieux de son temps. Et ça nous concerne aussi à nous aujourd'hui. Il interpelle et il condamne l'hypocrisie. Vous allez voir les différentes formes de l'hypocrisie. Et quelles sont les maladies, quelle est la malédiction qui accompagne l'hypocrisie? Parce que pour vous, l'hypocrisie est seulement de faire semblant. Mais l'hypocrisie va plus loin. Et Jésus va définir le sens spirituel de l'hypocrisie. Pour que toi et moi, nous puissions comprendre. Et éviter ce comportement d'hypocrite. Parce que je dis, ne soyez pas comme eux. C'est qu'il y a des gens parmi le peuple qui sont des hypocrites. Et le Seigneur appelle une partie du peuple à ne pas faire comme ceux qui sont là-bas, qui sont hypocrites. Un frère, moi je sais ce matin que tu es béni. Moi je sais que ce matin-là, tu es béni. Même si tu n'as pas ressenti la bénédiction, même si tu n'as pas été touché par la bénédiction, moi je sais une chose, tu es béni. Matthieu 23, verset 13. Premièrement, tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, c'est-à-dire les faux enseignements, tous ceux qui enseignent les mauvaises paroles, qui n'est pas la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit, c'est les hypocrites. On lit au verset 13 de Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le Seigneur est clair. Il dit malheur aux pharisiens, aux scribes. Ces hommes qui avaient tendance à faire croire au reste du peuple que c'est eux les vrais enfants de Dieu. C'est eux les vrais, les véritables serviteurs de Dieu. C'est eux les vrais moins. C'est à eux que Dieu a donné la sagesse de la parole, la révélation de la parole. Le Seigneur va dire ceci. La malédiction sur les pharisiens et les scribes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ferment le royaume des cieux aux gens. Eux-mêmes ne les rentrent pas et ils empêchent les gens d'entrer. Mais de quelle manière ils ferment la porte du royaume des cieux aux gens? De par leurs enseignements, de par leurs coutumes, de par leurs traditions, de par leurs comportements. Eux-mêmes ne veulent pas rentrer dans le royaume des cieux. Et puis ils empêchent aussi les autres d'y accéder. Tu ne peux pas rentrer, mais il faut quitter la porte, les autres vont rentrer. Ils ne veulent pas rentrer, ils ferment la porte, ils la porte et puis moi je ne rentre pas, personne ne suit l'autre. Monsieur, ça c'est un comportement hypocrite. Toutes les fois que nous enseignons, ou que des gens enseignent, ou que tu enseignes, ou qui que ce soit enseigne, la fausse doctrine, c'est une hypocrite. Toutes les fois que toi, ton comportement peut fermer la porte du royaume de Dieu à qui que ce soit, le Seigneur dit, tu es un hypocrite et la malédiction chez toi. Amen. Toutes les fois que de par ton comportement, de par ton attitude, quelqu'un est scandalisé, quelqu'un est choqué, au point d'abandonner la main du Seigneur,
Le Seigneur dit non seulement de par ta vie, de par ce que tu dis, de par ton comportement, de par ton enseignement, de par ta manière de réfléchir et de faire. Non seulement toi-même tu t'éloignes de Dieu, tu vas vers le péché. En fait, tu t'attraches au péché. Tu es un hypocrite, tu vas en enfer. Et puis en plus de cela, tu entraînes les autres avec toi. Parce que par ta vie, imagine qu'on trouve un pasteur ou un responsable d'église dans une boîte de nuit, dans un maquis, ou bien en train de marcher avec une fille. C'est sa copine, et puis sa copine. Toutes ces personnes-là qui se comportent comme ça. On voit un serviteur de Dieu ou un fidèle reconnu dans le quartier comme un fidèle chrétien, un disciple de Jésus, en train de créer un scandale dans le quartier par une bagarre ou bien par parade de femmes ou bien de garçons. Tu as fermé la porte du royaume des cieux aux compagnons qui sont là, qui sont là, qui peut-être allaient accepter Christ. Et à cause de ce que tu fais, eux sont choqués, sont scandalisés. Il dit que si c'est ça, je ne vais même pas à l'église. L'affaire de Jésus là, c'est bon à cause de toi. Le pasteur aussi qui enseigne la fausse doctrine, les doctrines pernicieuses. Voilà pourquoi les hommes, que beaucoup, que beaucoup n'enseignent pas. Parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Parce que ceux qui enseignent, enseignent la doctrine. Ceux qui enseignent, enseignent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ils exhortent les gens à faire le bon choix. Donc si tu enseignes l'erreur qu'on appelle l'hérésie, l'apostasie, c'est-à-dire la déviation des pratiques contraires à la sainte doctrine, le Seigneur dit tu es un hypocrite, et la malédiction, tu as dit malheur. Tu es maudit, c'est ce que le Seigneur a dit. Déjà, un, tu ne veux pas mener une bonne vie chrétienne, et toi ta vie chrétienne c'est une vie de scandale, c'est une vie de débauche. C'est une vie d'impureté. Et tout le monde sait que tu es chrétien dans telle assemblée. Tu es un disciple de Jésus, que tu es dans telle assemblée. Tu es un pasteur, tu es ceci, cela. Mais dans ton quartier, à cause de toi, les gens ne peuvent pas venir à l'église. Au sein de tes parents, les gens ne peuvent pas se convertir à cause de ta vie. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. Le dimanche matin, tu vas tenir ta Bible. Tu dis que tu vas adorer Dieu. Mais pourtant, ton comportement là, est différent du livre que tu tiens, que la Bible. C'est le contraire de ce que tu tiens. Tu mets une vie gauche, une vie renversée, une vie de pèlerie. De par ta vie, tu as fait du mal, non seulement à toi-même, mais tu fais du mal à ton entourage. De par ta faute, les gens ne vont pas donner leur vie à Jésus. De par tes mauvais enseignements, tu vas induire les gens en erreur. De par ton mauvais comportement, tu vas fermer la porte du ciel à plusieurs personnes qui seront scandalisées. Mais je ne croyais pas qu'il pouvait faire ça. Je ne croyais pas qu'elle pouvait faire ça. Je ne croyais pas qu'il pouvait, etc., etc. Et de par ta faute, quand on va les inviter un jour à l'église, quand on va les parler du Seigneur Jésus-Christ du royaume des cieux, ils vont dire, oh, moi je connais ici, je connais un pasteur ici, il a sa cour ici, il se casse venir ici. Oh, je connais qu'un ici, il est chrétien, il va dans votre église là, il chante là-bas, ou bien il est responsable là-bas, ou bien il fait ceci, ceci, cela. Mais on le connaît son quartier. À cause de toi, l'évangile sera foulé aux pieds. À cause de toi, à cause de ta mauvaise vie, le sang de Jésus là, les gens vont marcher là-dedans comme ça, en train de la poussière. Mon frère, ma soeur, ce matin je vais t'exhorter à ne pas être celui-là qui sera une pierre de scandale. À ne pas être celui-là qui, de par ta faute, va empêcher les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu le Seigneur dit, si de par ta faute, toi-même tu empêches les gens d'entrer dans le royaume des cieux, toi tu parles d'entrer, toi tu parles, c'est pas grave. Mais de par ta faute, les gens n'entrent pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit, la malédiction s'attache à ta vie. Et plusieurs sont dans nos assemblées, dans des lieux de prière, dans les lieux de prière, mais qui se croulent sur le poids de la malédiction. Ce n'est pas la malédiction de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères, ni de tes soeurs, mais la malédiction de ton péché, la malédiction de ton hypocrisie qui t'amène à enseigner les fausses doctrines, qui t'amène à avoir un comportement, et la malédiction s'attache à toi. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as commis des fautes qu'il ne faut pas commettre. Tu as fait des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, les gens courent. Ils courent après les bénédictions. Ils courent après les miracles. Ils courent après beaucoup d'autres choses. Sauf
ce qui va les amener dans le royaume des cieux, qui passe par la sanctification. Et donc le Seigneur lui-même a dit de passer sur plusieurs points, que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Celui qui ne se sépare pas du péché, de l'hypocrisie, et de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, celui qui ne se sépare pas du mal, n'accédera pas au royaume des cieux. Se séparer du péché, c'est se sanctifier. Se sanctifier, c'est identifier sa vie à celle de Jésus-Christ en pratiquant dans la vérité et par l'Esprit de Dieu la volonté parfaite de Christ et en obéissant à sa parole. C'est ça la sanctification. Combien se sanctifient aujourd'hui? Combien de par leur faute, dans leur famille, ton père parle de sa vie à Jésus, ta mère parle de sa vie à Jésus, tes frères ne veulent pas se convertir, tes collègues ne veulent pas se convertir, ton entourage est scandalisé par ta vie. À l'église, quand tu vas en assemblée, tu es un bon chrétien. Mais quand tu es chez toi, quand tu es dans ton lieu de service, quand tu es dans le lieu de travail ou je ne sais quoi que ce soit, tu es une autre personne. Tu es un charognard. Tu n'es pas un charognard. Tu es une chauve-souris. Tu n'es pas souris. Tu n'es pas oiseau. On ne sait pas ce que tu es. Tu es hybride. Tu es comme un animal. Un caméléon. Quand tu es à l'église, tu deviens blanc. Quand tu es avec les païens, tu deviens noir. Quand tu es avec les chrétiens, tu deviens gris. Tu n'es ni blanc ni noir, sauvage. On ne sait pas où tu es. Tu te comportes en fonction du lieu où tu es. Tu mènes pour moi ta vie chrétienne en fonction du lieu où tu es. On ne mène pas sa vie chrétienne en fonction du lieu où on est. On mène sa vie chrétienne partout où on est et en appliquant la parole de Dieu. Il n'y a pas une manière d'appliquer la parole de Dieu en France et une autre manière d'appliquer la parole de Dieu en Côte d'Ivoire. On appelle la parole de Dieu selon son contexte, mais en ne diluant pas et en ne falsifiant pas cette parole-là. Mais cette parole garde sa valeur. Et on la met en pratique partout où on est, dans toutes les cultures, dans tous les milieux où tu vas te retrouver. C'est la même manière de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, la doctrine de la parole de Dieu, la doctrine de Christ ne change pas, ne varie pas en fonction des continents, en fonction des pays, en fonction des villes ou des villages, en fonction des ethnies ou la couleur de peau. Non. Quand je vois les chrétiens ici, nos soeurs en Christ, bonnes chrétiennes ici, quand elles étaient ici, elles ne portaient pas collant pour se promener, puis pour son portion dehors. Elles ne portaient pas gainé plaqué, puis portion là est dehors. Mais quand elles arrivent en France, quand elles arrivent aux États-Unis, en Occident, ou quand ils vont dans des pays où les gens sont à se laisser aller, hommes, frères, ils commencent à faire comme les autres. On ne fait pas comme les autres, on fait ce que la parole de Dieu dit de faire. Ce que tu ne fais pas en Côte d'Ivoire, ne fais pas ça en France. Amen. Ta manière de mettre en pratique la parole de Dieu en Côte d'Ivoire ne doit pas varier quand tu vas te retrouver dans un autre continent, que ce soit sur le continent américain, que ce soit sur le continent européen, ou asiatique, ou en Océanie, ou en partout où tu veux sur la terre. La parole de Dieu se met en pratique de la même manière. La couleur de notre peau ne change pas. Nos cultures, nos traditions, ce n'est pas forcément les fétiches et autres. Souvent, tu nais dans une famille, chaque famille a sa culture, chaque ethnie a sa culture, chaque ville, chaque région a sa culture, chaque nation a sa culture. Mais nos cultures ne doivent pas primer sur la parole de Dieu. Faut dire amen. Amen. Et les gens vivent dans l'hypocrisie. De par leur vie, ils ferment la porte de Rome dessus aux gens. J'ai connu des gens qui ont invité des filles à l'église, des filles païennes. Et la fille se convertit. Elle donne sa fille à Jésus. Elle accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle vient à l'église tout zélée. Et le frère est un exemple et un modèle. Malheureusement, quelques temps après, elle commence à coucher avec quelques filles. Et bien, tu l'as tiré dans le monde, tu l'amènes à l'église, elle t'a suivi parce que tu es un exemple. Elle vient à l'église, tu couches avec elle. Elle retourne où encore? Dans le monde. Elle va dire, mais c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Tu as fermé la porte du ciel à cette soeur, à cette femme, à cette jeune fille qui va en enfer. Le Seigneur dit, tu es maudit. Amen. J'en connais aussi les soeurs en Christ. Elles sont allées dans le monde. Elles ont invité les gens, les jeunes à l'église. Le gars vient, elle couche avec lui. Il finit par trouver il abandonne le Seigneur. Le pasteur ne sait plus pourquoi le jeune homme ne vient plus à l'église. Les responsables ne savent plus pourquoi tel jeune qui vient à l'église ne vient plus. Elle a couché avec lui.
il a couché avec elle. Voilà pourquoi vous ne les voyez plus. Et souvent, ces genres de trucs-là se passent dans nos assemblées. Et les gens ne savent pas que c'est des malédictions qu'ils cumulent, et qu'ils accumulent, et qu'ils assemblent, qu'ils les rassemblent sur leur propre vie. Parce que là, quand tu te comportes comme ça, tu empêches, toi tu ne veux pas dans le royaume de Dieu, et puis tu empêches l'autre d'y accéder de par ta mauvaise vie, de par ta mauvaise conduite, de par ta manière de parler et d'agir, de par tes enseignements erronés, tes enseignements démoniaques et diaboliques. Toi qui te dis serviteur de Dieu, tu refuses de t'humilier afin d'apprendre la sainte doctrine en tenant compte de tout ce qui entoure les règles d'interprétation pour interpréter dans la perfection la parole de Dieu afin de ne rien ajouter, ne rien retrancher, de peur que la malédiction, toutes les malédictions décrites dans cette parole de Dieu comme dans l'Apocalypse 22, ne s'abatte sur ta vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu en décrit sont sous le poids de la malédiction. Ils ne peuvent plus se repentir, ils ne peuvent plus faire marche arrière parce que là où ils sont rentrés là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il y a une malédiction qui les suit. La malédiction est comme un cachet sur leur vie. Même ils voient, mais comment ils ne peuvent pas se repentir? Ils ne peuvent pas se repentir. Il y a des malédictions quand elles s'attachent à toi, tu ne peux pas faire marche arrière. Amen. Tu ne peux plus te repentir. Amen. Pourquoi il faut éviter cela? Et regarde, bien que Jésus-Christ ressuscitait d'abord, il guérissait des malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il relevait les paralytiques, il purifiait les lépreux, il faisait des choses extraordinaires au milieu du peuple. Les pharisiens, les scribes étaient témoins oculaires de ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ ne ressuscitait pas les morts en cachette, il ne guérissait pas les malades en cachette. C'était au vu au-dessus de tout le peuple d'Israël. Tout le monde savait. Et voilà pourquoi de toutes les villes, de toutes les contrées d'Israël, de toutes les régions et de toutes les tribus, les gens accouraient vers lui. Et la Bible dit des milliers de personnes le suivaient de ville en ville, en frère. Ils partaient avec lui jusqu'à le désert pour écouter Jésus-Christ parce qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Et les pharisiens, les scribes, souvent venaient poser des questions à Jésus-Christ. Et quand il parlait, tellement ses paroles étaient des paroles vivantes, il disait, toi tu n'es pas un docteur venu de la terre, mais tu es un docteur venu du ciel. Parce que ce que tu dis là, personne ne peut dire ça. Ce que tu révèles là, personne ne peut révéler ça. Les pharisiens et scribes étaient témoins de Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare. De Jésus-Christ qui a ressuscité plusieurs personnes. Ils ont été témoins de Jésus qui a guéri les malades, opéré des miracles extraordinaires. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller crucifier Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que sur leur vie était attachée la malédiction de l'hypocrisie. Je dis bien, la malédiction de l'hypocrisie est attachée à eux. Ils voyaient la vérité. Ils savaient la vérité. Et la vérité est en face d'eux. En chair et en os. Personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Mais bien qu'ils voyaient, ils entendaient. Et ils savaient que Jésus-Christ, il n'était pas comme eux. C'était un homme extraordinaire. Il était spécial. Il était vraiment exceptionnel. Malgré toutes ces choses-là, ça ne les a pas empêchés d'aller le crucifier. Pourquoi? Parce que la malédiction de leur hypocrisie était sur leur vie. Eux-mêmes ne voulaient pas rendre le royaume des cieux et ils entraînaient le peuple à l'égarement, à la perdition. Et le Seigneur dit, la malédiction, le malheur à vous. Malheur à vous, pharisiens, scribes. Parce que vous ne voulez pas rendre le royaume des cieux et vous empêchez les choses de rentrer. Que la malédiction ne s'attache pas à ta vie. Amen. De par ta faute. Amen. Si tu ne veux pas rentrer, il ne faut pas empêcher quelqu'un. Il ne faut pas être un scandale. Une pierre d'achoppement à l'autre qui veut rentrer. Il ne faudrait pas que de par ta faute, quelqu'un, une personne, n'entre pas dans le royaume de Dieu. Tu ne sais pas que tu dois être un modèle, toi, enfant de Dieu. Tu dois être un modèle, un exemple. C'est-à-dire, toi, on doit te regarder puis te copier. On doit te regarder puis tricher ta manière de faire. On doit te regarder puis vouloir faire comme toi. Mais si on doit te regarder puis ne pas pouvoir faire comme toi, ou bien si on doit te regarder vivre, et puis ta vie devient un scandale pour la vie de celui qui te regarde. Homme frère, le Seigneur dit, malheur à toi, la malédiction s'attache à toi. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu antichrist qui ne peuvent plus se repentir. Et ils sont dans la déroute, ils sont dans le mal, ils sont dans la désobéissance. Le péché est attaché à leur vie. Ils croulent sous le poids de la malédiction. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Et vous ne comprenez pas pourquoi ils ne peuvent pas faire marche arrière. Et malgré ça, il y a des gens aussi qui les suivent. C'est-à-dire, et leur malédiction s'étend. Si ces personnes qui les suivent. Et vous vous demandez, mais comment ils font pour ne pas voir que ce gars, c'est un faux type? Ils voient que c'est un faux type. Mais le sud, malgré ça, la malédiction de cet homme-là s'est attachée au peuple. Ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils sont liés, esprit, âme et corps. Et ils vont en enfer.
Quand quelqu'un s'élève dans ce pays et puis s'auto-proclame Dieu, et puis il dit que les gens disent que Dieu n'a qu'à te bénir, lui dit pas que Dieu te bénisse, je vous bénis. Et puis il fait moins un sur vos bénédictions. Parmi les gens, les intellectuels, les universitaires, et puis les gens, ces gens-là, ces universitaires, ces intellectuels-là, sont ses disciples, allez comprendre que ce n'est plus une affaire d'intellectuel, ce n'est plus une affaire de connaissances, des études, ce n'est pas une affaire de longues études, c'est une question de malédiction, ça ne ment pas. Ils sont assis là, dimanche matin, ils vont parler avec l'année carré pour écouter un bandit, un voleur, un sorcier, un homme méchant, un serviteur du diable. Quel que soit ce que toi tu vas leur dire pour les raisonner, ça passe pas. Ils ne peuvent plus t'écouter. Ils sont sur le point de la malédiction. Donc faites attention à là où vous partez, à ce que vous fréquentez, aux églises dans lesquelles vous partez. Faites attention, parce que tu vas arriver quelque part où le gars, il est sur le point de la maison. Sa maison va s'attacher à toi. Tu ne peux plus t'en défaire. Tu es lié à lui. Faites attention. Il y a trop de faux docteurs, trop de faux serviteurs de Dieu, trop de fausses doctrines. Faites attention. Vous voyez ceux qui s'attachent, vous voyez que là c'est un faux pasteur. Toi, tu n'es pas bon chrétien, non. Mais tu sais que là c'est un faux pasteur. C'est pas vrai. Et puis, mais le Jésus, il ne peut pas quitter là-bas. Il ne peut pas quitter. C'est que tu vois la voix. Ce que tu sais de leur pasteur, elle-même, il sait plus que toi. Mais il ne peut pas partir. Vous savez pourquoi? Ils sont sur le point de la malédiction. Or, Jésus a appelé ses disciples. Il a appelé des gens qu'il a oint et il a établi. Il dit, allez-y, faites de toute la nation des disciples. Les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui croira. Celui qui croira pas sera condamné. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Allez-y, proclamez la bonne nouvelle de l'homme de Dieu. Jésus nous envoie pour aller bénir par sa parole. Quand la vraie parole de Dieu est prêchée, quand la sainte doctrine est prêchée dans la vérité, les gens sont bénis. Les gens sont heureux. Les gens ont la paix intérieure, même quand même bien ils n'ont rien. Malgré leurs épreuves, leurs difficultés. Quand la vraie parole de Dieu leur est enseignée, ils sont sereins et imperturbables. Et leur vie est une vie paisible. Les gens vivent sur le point de la malédiction. Ils courent après les miracles, après les bénédictions. C'est pas mauvais. Mais quel genre de miracles, quel genre de bénédictions? Ils courent après des prophéties qui ne se réalisent jamais. Des paroles de croissance qui ne se réalisent jamais. Ils courent après des voyants. Ils courent après des gens qui sont là pour voir ce qu'il y a dans leur chambre. Mais qui en réalité n'ont aucune parole pour changer leur mentalité, pour les amener à la conversion. Ils n'ont aucune parole pour changer leur vie, pour changer leur comportement, changer leur manière de marcher avec Jésus. Et les gens vivent dans le scandale. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas entrer au ciel. Ils ne peuvent pas entrer et ils empêchent Jésus d'entrer. Et puis ces gens qui sont dans l'église bidon, des églises de marmailleurs, des escroqueries, des églises de pratiques mystiques bizarres, de ces pratiques qui sont contraires à la sainte doctrine, qui n'ont aucune cohérence théologique. Ces gens-là, ils sont zélés souvent à l'évangélisation. Une évangélisation maléfique. Ils savent que tu vas dans ton église, viens, viens, dans notre église. Viens, je t'invite chez moi à l'église aujourd'hui. Demain, après, je t'invite. Tu vas partir là-bas. Le pasteur maudit. Il va t'imposer les mains. Sa maison s'attache à toi. Tu ne comprends rien comme ça. Tu quittes l'église et puis tu t'en vas là-bas. La malédiction t'a suivi. Amen. Tu es parti avec ça. Mais si tu as ma bénédiction, la bénédiction d'un vrai serviteur de Dieu, le que tu as, ouais. Quand tu as vu d'un point comme ça, même quand tu arrives, tu ne supportes pas. L'atmosphère est ténébreuse. Amen. L'atmosphère sent mauvais. Amen. L'atmosphère est lourde. L'atmosphère, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Amen. Tu sens que tu n'es pas tranquille. Je suis là, mais ça ne va pas. Tu veux partir, tu veux fuir, tu étouffes, tu veux quitter, je veux partir chez moi, je veux partir chez moi. C'est comme un enfant, on le détaille ses parents, on dit pas de maintenant sur le voisin. L'enfant n'est pas à l'aise sur le voisin. Peut-être que si son enfant, ses maisons en bois, sur le voisin, c'est plus là. Mais l'enfant dit, je veux partir chez maman, je veux partir chez papa. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant est attaché à son père et sa mère. Peu importe les conditions de ses parents, l'enfant est parti chez ses parents. Amen. Peu importe les conditions de ton père et de ta mère, tu les cherches toujours. Alléluia. Amen. Tu les cherches. Tu t'es attaché à un père maudit. Ses enfants sont maudits. À des pratiques maudites. Amen. Des comportements de malédiction. Des vieux scandales à répétition. Et toutes sortes de pratiques maléfiques. Amen.
tu vas suivre des hypocrites. Tu seras un hypocrite, un ignare, l'ignare même de tous les hypocrites, ça va être toi. Et puis tu... Matthieu 23, verset 14. Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Ils sont hypocrites pour moi. Premièrement, Jésus dit, ils sont hypocrites parce que quoi? Parce qu'eux ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux. Et puis ils empêchent les gens d'y entrer. C'est pas ça. Deuxièmement, Jésus a dit, la malédiction sur vous, pharisiens et scribes. Pourquoi? Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de leur prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Les dévoreurs. Regarde, toi tu es pauvre. Tu n'as rien même financièrement. Pour manger même tu as du mal, tu viens à l'église. Et puis le pasteur bandit, le pasteur maudit. La maman prophétesse maudite. Ton petit jeton, elle va t'escroquer ça. Tu veux voir maman prophétesse? Notre maman, elle voit, hein. Maman, elle est venue la foi là. Je dois faire une offrande de 50 000, de 100 000, de 5 000. Je dois faire offrande avant qu'elle te reçoive. Papa pasteur maudit là, si là. Quand on met au frein là, il essaie de voir son élément dit. Quand on dit c'est comme ça, c'est que c'est une enveloppe consistante. La révélation des mensonges va sortir pour te donner. Mais quand tu as donné petit peu, l'assistant maudit aussi là. C'est un mi-franc, c'est un 5, ça t'a déposé là-bas. Quand on te reçoit. Mais le Seigneur m'a dit qu'il t'a béni. Faut partir, c'est fini. Pour les pauvres, leur prière c'est rapide, rapide. Nous prenons pas loin. On t'a reçu la maison, faut partir. Pour les riches là, on fait une heure de temps avec eux. Quand le pauvre Isaac arrive, quand la continuer, c'est 5 minutes. Non, mon fils, c'est ça qui a dit, il faut partir, faut partir, faut partir. Il te chasse parce que tu as donné 500 francs pour faire dans le panier. L'autre le mettait pendant une heure parce que souvent il donne 100 000, 200 000, millions, des millions. Dis amen, hein. Le Seigneur dit, ils sont hypocrites parce qu'ils passent à escroquer le peuple. Même les veuves, les jetons, ils ne laissent pas. Si on ne laisse pas l'argent de la veuve, on ne laisse pas l'argent de l'orphelin, on ne laisse même pas sa nourriture. Ce n'est pas toi qui n'es pas orphelin, qui n'es pas veuve, vraiment laissé pour toi. Pourquoi nous vont te faire mal? Le Seigneur dit, c'est les hypocrites, il ne les a pas envoyés. Il dit, la malédiction est sur eux, parce que c'est des escrocs, c'est des vendeurs d'illusions. Il dit, estime-toi heureux que tu sois converti à l'église parole de Dieu. Parce que tu as rencontré le véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole est prêchée dans la vérité. Et il y a des églises comme ça où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, dans la sainteté. Mais ils ne sont pas beaucoup. Amen. Je dis, beaucoup sont appelés. Mais peu seulement sont élus. Les maudits, ils sont beaucoup. Amen. Ouais, gars. Les maudits sont plus beaucoup que ceux qui sont bénis. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi qui dit. Il dit, beaucoup sont appelés, mais peu seulement seront élus. Et je prie le Seigneur que tu sois parmi les élus. Faut dire amen. Nos mamans aussi, elles aiment les pasteurs escrocs. Les prophètes escrocs. Et c'est qu'elles aiment. Et puis souvent, elles entraînent leur mari là-bas. Elles ne vont pas entraîner leur mari où on enseigne la vraie parole de Dieu. Où la sainte doctrine est prêchée. Mais elles vont entraîner leur mari là où on va les croquer. Amen. Là où on va mettre du charbon sur sa tête. Amen. On va mettre une de pito sur sa tête. Une d'araignée. Moi, je ne sais pas si c'est une d'araignée. Elles ont araignées même de la graisse. Une de mouche, ils vont trouver pour mettre sa tête. Une de cafard. Ils vont mettre sa tête. Et puis elle va faire croire à son mari, tu vois que je t'amène, non? Je t'amène pour que Dieu puisse te bénir. Quelle bénédiction! Tu l'as mené chez le maudit pasteur, le maudit maman prophète, la maudite maman prophétesse. Elle a maudit ton mari. Et puis tu crois que tu es content. Amène ton mari où la sainte doctrine est enseignée, où la parole de Dieu lui est enseignée, où la parole de Dieu va changer sa mentalité, changer sa vie, changer son cœur, changer son âme, changer sa compréhension des choses de Dieu, où la parole de Dieu va l'amener à marcher avec le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement? Tu amènes ton mari à courir après les miracles, après les bénédictions, parce que c'est ce que tu as en toi, c'est ce qu'on t'a enseigné, sorcière. Tu as maudit ta propre famille, tu as maudit ta propre maison, tu as maudit ton mari. Et puis après, tu accuses les sorciers du village, tu accuses les sorciers du quartier, les sorciers de la cour, tu accuses la voisine, le voisin. Tu es ton propre sorcier. Souba, Mousso.
Vous avez des femmes sorcières. Chopoka. Ça veut dire femme sorcière. Woman witch. Yes. Elle est une femme sorcière. Amen. Moi, je parle un peu d'anglais quand même. Hein? Amen. Et que mon fils Isaac, là, de temps en temps, j'ai dit quelques mots. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, combien de femmes aujourd'hui envoient leur mari? C'est des faux prophètes et puis ils sont maudits. Envoie ton mari à l'église pour qu'il soit béni. La plus grande bénédiction que tu puisses accorder à ton mari, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça. Quand ton mari écoute ça, il est béni. Quand il reçoit cette parole, il est béni. Ce n'est pas une onction qui bénit. Ce n'est pas l'eau bénite qui bénit. Amen. Quand Jésus est venu, on vous a dit qu'il a pris l'eau bénite quelque part. Amen. Vous savez comment on fabrique l'eau bénite? Tout le monde maintenant a une onction. Tout le monde n'a pas une onction, il s'est pris des dégâts. Satan, qui sait? Bon, bon, grâce au bon de Satan. C'est ça qu'elle allait vous faire mettre sur vos têtes. Tu deviens bête, bête. Tu n'es plus intelligent. Tu n'as pas mené ton mari dans une bonne église. Ils sont convertis auprès d'un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, un faux pasteur, une fausse roi pasteur. Une roi pasteur, tu commandes son mari. Quand il parle, son mari a été comme ça. C'est là-bas qu'on voit ton mari. Il est là-bas, il est un faux chrétien maintenant. Un matin, il va te chasser. Si tu vas pas dans ce moment, profiter de ça, c'est le célibataire va te tuer ton mari. On a vu ça plein. Amen. Ça n'a même pas suivi le régime. Elle dit, je ne sais pas quand on dit que maman profiter ça. Il faut être grosse jusqu'à déborder. C'est ce qu'elles sont. Tu ne peux même pas marcher. Tu vas jouer comme ça. Et puis, sont elles qui portent les plaqués maxi, là, dès que ça s'est déchiré. Talons là, comme ça, on dirait haute tension. Elles sont en train de se quoi? Co. On dirait un cheval. Elle va détourner ton mari. J'ai vu des mamans prophétesses qui ont détourné les maris de certaines soeurs en Christ. Tu es parti à ton mari, il est un paix. Elle détourne ton mari. Si elle ne détourne pas son mari pour toi, si elle est un mari, elle détourne ton mari pour donner à une de ses filles qui est une maudite comme elle. Et puis ils vont prendre le monsieur, on mêler sa tête, mêler sa cape. Toi, on te chasse un matin, on dit Dieu n'est pas dedans. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Vous prenez vos maris, vous voyez dans les églises, bidon, bidon. Maintenant, vous divorcez, maintenant, on prend ton mari, maintenant, une autre fille là-bas, une maudite aussi qui est dans l'église. Et puis, toi, on finit par te chasser. Non, c'est ta femme qui est sorcière. C'est ta femme qui est sorcière. Et puis, on la chasse, on te chasse. Maintenant, tu as venu, maintenant que ton mari, là, tu as pris toutes tes offrandes, tes dîmes, tes dons, tes legs. Tu as pris nos faux prophètes, aux faux pasteurs, à force maman pasteur, faux maman prophétesse. Maintenant, c'est maintenant là, que tout est fini. Tu n'as plus rien là. Il te reste un pain délavé là. C'est là que tu as venu à l'église par le Jean 1. Et bien, papa, faut prier pour moi. Donc, c'est moi, je suis là. Même les miettes là, je ne gagne pas. Maintenant, ta souffrance là, c'est moi qui dois prendre ça. C'est moi qui dois gérer ta souffrance là. Moi, je te laisse à Jésus. Moi, toi, il n'y a pas de rejeter. Mais tu vas voir ce qu'il y a dans toi, galérer ici aussi. Ta carrière n'a pas commencé par moi. C'est ça. C'est pas moi qui ai terminé ça. Moi, je ne vais pas te chasser. Je vais prier pour toi. Quitte à Jésus, de te faire grâce et puis de te libérer de ça. Sinon, moi, là, je suis calé ici. Moi-même, là-même, c'est Jésus. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, toi, tu es toujours. Tu es bête ou bien quoi? Tu es un singe. Tu vas faire des grimaces. Un vrai serviteur de Dieu, il est toujours éprouvé. Il passe par le moment. Quand vous lisez les Écritures, vous avez entendu que quand on dit que Jésus a dit. Jésus riait ici. Mais j'ai écrit quelque part, Jésus pleura. Amen. Jean 11, 35. Jésus pleura. Amen. Même à la croix, il a pleuré. Ouais, les maudits sont là, mes dieux. Bon, il n'a pas dit les maudits sont là, mes dieux. Il dit cela, soit mes dieux. C'est Dieu qui l'a crié. Il a pleuré. Oui. Ça s'est passé comme ça. Mais toi, dis-moi. Et je dis que pas que Jésus t'est arrivé. Et puis toi, tu veux rire. Tu vas rire un peu de temps en temps. Maintenant, ça, on est. Quand tu as vu le trône dans l'église, elles ont l'entente. On peut dans le coup de coup. Un matin, pour nous chasser d'ici dans la poussière. Elles ont pris. Regarde. Toi, c'est facile. Bon, moi-même, là, c'est Joshua. Quand tu dis que tu as tes problèmes, je ne sais pas où tu veux te mettre devant mon pasteur. Il faut m'aider. Ma chérie. C'est pour être là, je n'ai pas ici. Nous, on
on a terrain, c'est un terrain avec papier. On doit chercher à construire. On cherche là pour construire, on n'a pas encore construit. On n'a pas encore construit une maison de Dieu. Il faut dire amen, hein. Amen. Les femmes là, elles vont jeter là, ça c'est les faux prophètes là, jusqu'à quand ça a fini maintenant là. Elles n'ont plus rien là. Elles n'ont plus devant tout là, Hollandais là. C'est là maintenant, elles viennent chez nous. Parce qu'elles vont prier pour moi. J'ai entendu parler de toi que tu es un grand serviteur de Dieu. C'est maintenant que tu as entendu parler. Tu as toujours entendu parler. Mais tu as toujours dit, il n'a pas onction. Il ne fait pas de miracle. Maintenant, où on fait le miracle? Il faut rester là-bas. Amen. Faut rester là-bas, tu viens où? Faut rester là-bas. Amen. Reste là-bas, c'est pas la route. Faut rester là-bas. Tu vois que ceux qui sont ici, ils sont bêtes ou bien quoi? Ils sont pas bêtes. Ils ont compris quelque chose. Un jour, les gens suivaient Jésus. Et puis ils sont retournés en conservatif. Jésus dit, il a laissé tout ici. Il dit, vous ne partez pas aussi. Puis il dit, non, on bâti. On bâti où est-ce? Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne bouge pas. Non bougie. Bon, tu passes à votre femme. Mais c'est propre. Merci mon fils. C'est un fils qui soutient son père. Bouge pas. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui est-ce nous? On ne bouge pas d'ici. On est à toi. Et là, on connaît qu'ils étaient bêtes. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Tout le monde a gagné, ils sont tous partis. Il est resté toujours auprès de Jésus avec des femmes. Et ils disent que non, on bouge pas. Jésus dit, mais vous aussi partez-y. Partez comme les autres là. Ils disent non, on bouge pas. Alléluia. Amen. Ceux qui sont rentrés, ceux qui sont restés, sont rentrés dans l'histoire. Amen. Ceux qui sont partis, ne sont pas rentrés dans l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux rentrer dans l'histoire, reste fidèle et loyal. Amen. Tôt ou tard, plaise au Seigneur, ton nom va figurer dans l'histoire des générations à venir. Amen. Ils vont parler de toi. Amen. Ouais. Il y a les gens qui attendent quand on finit de construire notre temple à l'étage, et puis maintenant ils vont venir. Amen. Ça, ça fait pitié. Tu vas venir dans un lieu que toi tu n'as pas contribué à construire. Toi tu peux faire malin. Et tu parles à un de mes enfants, j'ai dit, mais tu vas trouver notre temple. Attention, toi, tu vas trouver notre temple. Construction. Si tu fais, tu bouges. Voilà, dis amen, hein. Amen. Toi, t'as adopté, toi tu es venu chasser enfant des gens. Tu es fou bien. Dis amen, hein. Amen. Mais c'est ça. C'est cette vérité qu'il faut dire aux gens. Amen. Si tu n'es pas chez toi, tu restes tranquille. Alléluia. Parce que quand on souffrait ici dans la poussière, tu n'étais pas là. Quand ils pleurent, ils sont bien pour toi ici là. Tu n'étais pas là. Quand on cotisait 5 francs, 5 francs, comme ça, comme ça, tu n'étais pas là. Donc si tu es venu, puis c'est fini, puis tu vois, c'est climaté, puis t'as là. Il faut rester tranquille, puis il faut prier Dieu. Parce que tu as affaire à un de mes enfants, j'ai été pas beaucoup. Tu t'es trop facile pour ma tête, tu es là. Va là-bas chez Tante Chikina. Va chez Makoso. Makoso, lui, il n'a pas l'église. On ne sait pas où il est. Et quand il lit son église, c'est sur Internet, Facebook, YouTube. Allez le trouver là-bas. Alléluia. Vous aimez les escrocs là. Le Seigneur a dit c'est des hypocrites. Et lui, vous l'avez dit à la scribe. La malédiction, si vous voulez être maudit parce que vous êtes escroqué les gens. Vous êtes à profiter des gens. Les gens viennent à leurs problèmes. Ils ont tous de soucis. Même les petits jetons, vous l'avez. Même les croûtes des jetons, les gratins des jetons, vous grattez pour enlever. Vous êtes des sorciers. La malédiction est sur vous. Mais c'est pas ce que les gens aiment. C'est ce que les gens veulent. Moi, les mains. C'est ce qu'ils veulent. Mais où alors tu la vérité là? Il veut dire quoi? Il veut que lui croit la parole de Dieu. Il veut que lui la vérité. Il veut que lui a Jésus que tout le monde. Mais pourquoi il souffre? Mais qu'il a dit quand on a Jésus, on ne souffre pas. Jésus même souffrait. On a dit que tu as lu la Bible que Jésus a un temple quelque part. Et qui a déjà lu que Jésus a construit l'église, a construit temple? Il n'avait pas de temple. C'est parce qu'il ne voulait pas construire. Mais s'il n'avait pas les moyens, il va voler. Jésus là. Il partait prier dans le temple des gens. Dans les villes, il y a des temples. Ce n'est pas pour lui, c'est pour les juifs. Là. Ils s'en s'assoient là-bas. Et puis la lance de l'évangile en brille. Et puis on le prend, on le frappe, on le chasse. On dit, qui dit? Tu sens? Quand tu n'as pas maintenant pour dormir, tu n'as pas là. Qui dit? Tes disciples, vous sentez mauvais. Souvent Jésus faisait les jours sans se laver. Amen. Vous connaissez quoi? Quelqu'un marche. Il a marché 5 km pour se faire vacciner au Jourdain. La Bible dit, il partait de ville en ville. Il doit même dans les lieux publics souvent. Souvent dans les jardins, souvent sur les montagnes, là-bas, il doit même. Sur montagne, il y a l'eau. Souvent, peut-être c'est dans les sources, là, il se tient un peu. C'est là, il sort, il n'y a même pas de savon. Tu t'imagines, au-delà de ça, là, c'est pas comme on dit, toi, t'as déodorant, t'as parfum. Je suis parti à Ghana, je ne sais pas laver vendredi, lui. Alors, moi, quand moi, il voyage, moi, je n'ai pas me laver. Surtout quand c'est pour un jour, deux jours, je ne me lave pas.
Moi, je suis un soldat, je suis un militaire. Si on a dit qu'il n'y a pas ça, tu as travaillé du même. Il faut laisser ça, moi, je suis un militaire. Dans tout au délai, moi, je suis là. Si tu sais, tu vois que je sens mauvais, si je sens mauvais, il faut que tu t'accroches. Maintenant, ceux qui sont partis, on va manger la voiture là aussi. Là. Si vous trouvez que je sens mauvais, descendez, allez prendre. Regardez, vous provoquez des voitures, c'est pas la même ça. Mais c'est lui là, si là, c'est moi, je suis au volant. Si vous me chassez aussi de la voiture, je vais me dire qu'on veut le brûler. Il n'y a pas un qui s'est conduit. Donc, dans mon odeur, elles ont supporté mes odeurs. Il y a un peu banane plantain, ils ont mangé banane plantain à caraché. Il y a toujours ça dans ma main qui sent que je ne me suis pas lavé. Ils ont mangé. Vous pouvez vous manger? Alléluia. Oui. Oh, frère, il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, tu allais continuer à bâtir le temple bientôt. On m'appelle un coup d'un commencer le temps. On vient d'en construire le temps. Mais pour le moment, on est ici, on souffre. Hein. On souffre ici. Ils ont dit qu'il n'y a pas que Jésus avait un temple. Il n'avait pas de temple. Les gens croient que quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas souffrir. Ou bien non, si c'est un vrai pasteur, on ne doit pas souffrir. Moi, mon grand frère était ingénieur, il est mort maintenant. Il est mort pour laisser sa mercenaire, sa villa, ses comptes bancaires, tout le temps, ses enfants. Moi, je ne me considérais pas comme pasteur. Il dit, oh, toi, tu n'es pas un pasteur. Puis, toi, tu es un pasteur, tu es un pasteur, tu es un petit pasteur. Moi, pour les vrais pasteurs, ils ont les voitures, les villas. Et pour lui, les vrais pasteurs, c'est le vendeur, c'est des pasteurs qui ont des voitures, ils ont des villas, ils ont des grands biens. C'est ce que lui appelle le vrai pasteur. Donc, il dit, pourquoi il n'est pas un vrai pasteur. Le jour où il mourait, là, il est mort de diabète. Hein. Le jour où il mourait, là, il appelle, je lui ai prié pour lui. On dit, non, lui ne veut pas m'en prier. Il est mort, il n'est pas déjà en enfer. Il n'est pas déjà en enfer. C'est quand je l'ai battu en enfer. Moi, j'ai pris pour la vie, j'ai battu en enfer. C'est mon frère de ça, c'est pas mon cousin. Hein. J'ai eu mon propre grand frère. Il est mort, il est battu en enfer. Parce que pour lui, moi, je ne suis pas un pasteur riche. Je n'ai pas villa, je n'ai pas voiture, je n'ai rien. Sinon, c'est lui, il me soudra. Il est mort, il est battu en enfer. Ah, toute sa connaissance intellectuelle, tout son papier connaît. Sa villa est là. Ça me sert, ça me sert, c'est que j'ai vendu, j'ai payé à l'autre. Maintenant, son corps est dans un petit trou quelque part. Actuellement, c'est devenu des eaux. C'est depuis 2010. Après 12 ans, il est mort. C'est fini, ça. Sors sur gauche. Celui que tu ne considérais pas, passe après tu vois avant la vie. Tu as rejeté ça. Tu vas en enfer. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, ne me connaissent pas. Pasteur, vraiment, il y a mon fils. Oh, mon temple, il va mourir ici. Faut venir prier. On ne sait pas avoir la vérité. Puis, il m'a prié. Il m'a prié pour des gens comme ça. On vient me chercher de nous. Une heure, deux heures du matin. Pasteur, il t'a prié. Il est là mourir. Faut faire pardon. Faut qu'il ait la vérité. Toi, au moins, c'est ce que tu as la parole de Dieu. Pardon. Et puis, je viens, je prie. Je fais confesser à la personne. Oh, cette personne ne peut pas parler. C'est devenu muette à cause de la maladie. Il y a des versets plus. Je sais comment on va prier pour cette personne-là. Comment porter son péché. Puis Dieu, demande à Dieu de lui parler de ce péché. Pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Tout ça, il est fait. Puis là, quand il finit de prier, moi, la parole rentre là. La famille, au lieu de se fâcher, pour faire fête. Et puis, ils rendent témoignage que leur fils a eu la vie éternelle. Je veux que ces expériences, au moins deux à trois fois comme ça. Alléluia. Amen. Et je les finirai pour prendre pour rendre témoignage. Oui. Si vous allez prendre n'importe quoi là-bas, on masque la personne, j'ai un masque Yakuba maintenant. Mon grand frère est mort, il n'y a pas de enfer. C'est fini. On m'a écouté lui. Après, il y a un deuxième, lui il est mort, mais il est parti au paradis, il est parti au premier Jésus. Lui, il a compris la leçon. Lui, c'est mon grand frère, après lui, là, c'est moi. L'autre, là, lui, il est mon troisième grand frère. Non, quatrième. Non, troisième. L'autre, c'est moi, lui, il est mon deuxième. Il est mort il y a deux ans, monsieur. Bon, lui, ça, il a échappé même. Il est retourné au paradis. Il a compris que je suis un moyen de Dieu. Faut dire amen. Oui. Je parle de mes propres frères de sang. Je ne parle pas de ton frère. C'est pas tes parents, tu les connais. Faut pas ça te fait mal. Je parle de mes propres frères. On a tenté même ça. Même ça de notre papa, ça coule dans nos peines. Donc, ce gars, il est passé même là. Ses frères sont moi qui parle comme ça. C'est toi tes frères. Elle s'est dit tes frères. C'est moi mes frères. Bon, on va une couche à pauvre ici. Au cimetière de pauvre ici, si on va t'a couché là-bas. C'est moi en 1990. Avec 32 ans, mais elle est bon. En décembre, elle a 32 ans, elle est bon. Alors, elle a loupé. Il a fallu partir en enfer. Il a compris la police, ça a fait une chap-chap. Il a fait brûler tout sa petite. T'as raté.
Il est mort, il est parti au paradis. Dis amen, hein. Amen. Non, c'est comme ça. Maintenant, si toi, tu es un chrétien hypocrite, toi-même, là-même, tu n'as pas une bonne vie, tu as pris vous. Tes parents vont partir comme ça, mes frères. Vous aimez les faux, là. Ceux qui vont vous escroquer, là, c'est eux que vous aimez. Je veux 10 personnes qui ont donné 1 million, 1 million. J'ai un message. Ce qui est dangereux. Alors que c'est un maudit. Amen. 10 personnes. Faut les voir pourquoi. Papa, daddy. C'est au Ghana, au Nigeria, dans les pays anglophones qu'on doit dire daddy. Daddy, elle m'a arrivé ici. Hey, même les francophones disent daddy. Ici, on dit papa, on dit ouvrir le père. Hey, tellement vous voulez élever les gens. Daddy. Moi, je ne suis pas pour daddy. Mais maintenant, au Ghana, on m'appelle daddy là-bas. Je suis sûr, on m'appelle le père. Amen. Alléluia. Si Zach m'appelle daddy, moi, il peut comprendre. Mais lui, il est anglophone, c'est normal. Zach m'appelle daddy pour moi. C'est un marron, on a écrit daddy là. C'est un marron, on a écrit daddy là. C'est un grand daddy. Appelle-moi embêté, Oba. Oh, mais on m'a volé, papa. Papa Yaki. Papa Yaki. Et puis ça a fini. Moi, quand vous voulez tellement lever les gens, les hypocrites, c'est eux que vous aimez les vies. Et puis quand on appelle daddy, il faut le voir marcher. Yes. 20 personnes qui ont 500 000. Le Seigneur me donne quelque chose pour tout de suite. Au moins d'un mois, je fais une application 500 000, quelque chose s'est passé dans leur vie. Le pasteur maudit. Il va maudire ta vie. Oh. Il va maudire ta vie. Jésus a fait ça où? Jésus a fait ça où? Moi, c'est que dans la Bible, on demande l'argent pour partir de la maison de Dieu. Ça, c'est écrit. Donc, on va continuer pour partir de la maison de Dieu. Il faut dire amen. Amen. Maintenant, le cas, c'est de scroquer les gens. Moi aussi, vous aimez ça. Surtout les femmes, il faut regarder le visage. D'autres, les gens, d'autres, c'est noir, d'autres, c'est violet, d'autres, c'est fond de teint, d'autres, c'est pas encore. Cop de main. Donc, c'est main cop. Tout ça en main. Mais on s'assoit maintenant devant le prophète maudit maintenant. Moi, si tu as vu mon nom, si tu voulais voir mon nom, c'est un bizarre des prophètes là. C'est l'esprit, elle est frappée, on tombe là-bas. Tu veux les aider? Amen. Allez. Alléluia. Amen. Vous aimez qu'elles sont plaquées, puis les patrons sautent dans ça. Mon patron n'a rien sauté ici. Amen. Et puis ça n'a pas sauté. Je ne suis pas fusé pour décoller. Amen. Puis je suis la tête ici. Quand ils portent leur grosse chaîne, ils portent mon gourmette balèze, gourmette comme ça ici. Ils font quoi? Pasteur, tu portes gourmette. Tu portes gourmette, j'ai ce point. Laisse ça aux enfants, tu portes gourmette. Toi, tu es un pasteur, tu es un hypocrite. Amen. Alors, faut dire amen, non? Amen. Troisièmement, Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la main, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Trois choses que les gens laissent. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est vrai, les gens donnent des dîmes, ils font leurs offrandes, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais le Seigneur Jésus dit, en plus des dîmes et des offrandes que vous donnez là, vous les pharisiens, les scribes là, il y a trois choses que vous ne faites pas. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. La miséricorde pour aider vos prochains. De deux, vous ne marchez pas dans la justice. Vous n'êtes pas droit dans votre manière de marcher avec Dieu. Et de trois, vous n'êtes pas fidèle, vous êtes déloyal. Hey! Donc à cause de cela, la malédiction est sur vous. Vous êtes maudit. Pharisiens, scribes. Parce que vous n'êtes pas juste, vous ne marchez pas dans la droiture. Deux, vous ne manifestez pas la miséricorde. Aidez les uns les autres, manifestez l'amour. Aidez les femmes, les orphelins, les indigents, les personnes qui n'ont pas grand-chose. Trois, vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Votre infidélité est devenue notoire. À cause de la malédiction chez vous. Faut donner l'enfant de la femme. Pas la petite, elle me dérange beaucoup. Je me fatigue même.
tu vas prendre son enfant. Il te faut prendre son enfant pour aller où tu veux. Ça, c'est entre toi et puis son père et puis sa maman. Le père, dans le culte, là, donne son enfant. Quand le culte va finir, donne ton enfant. Tu as compris? C'est le cas, voilà, encore le mot. Amen. Où tu veux, tu m'en fous. Jésus. Je parle de toi, tu es distraite. Parce que je suis apprécié. C'est sûr que je suis apprécié. Je ne suis pas là à parler au basse là. Tu as parlé de toi, mission au combat. C'est toi, je prêche ici. Tu entends? Bien écouter. Non, toi aussi, on va pas d'accord. Alors, c'est des missions au combat, donc on n'en a pas d'accord. C'est de chacun de vous, toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu es de chacun, tu es dedans, dedans. Chacun, c'est à chacun de vous, je parle. Ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde, de manière individuelle. On va prendre ça, voilà, sur chacun. Non, ça, moi, cette partie ne me concerne pas. Ça, ça concerne une personne. Non, moi, cette partie, ça ne me concerne pas. Ça, c'est le côté de Roger, là. Non, moi, Roger, moi, cette partie, ça, c'est le côté égal. C'est pour toi, tout. La première lettre jusqu'à la. Du premier mot jusqu'au dernier mot. C'est pour chacun. Tout appartient à chacun. Amen. Si tu prends parti que les femmes partie, tu es un sorcier. Tu es un hypocrite. Jésus dit, pharisiens scribes, vous êtes maudits parce que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas miséricordieux et parce que vous n'êtes pas fidèle. La malédiction sur vous. Vous entendez ça? Donc, un chrétien, tu ne pratiques pas la justice. La justice, c'est quoi? Faire ce qui est juste, c'est marcher selon la parole de Dieu. Tu ne manifestes pas la miséricorde, toi tu n'as pas pitié des gens. Tu ne compatis pas aux douleurs des autres. Tu ne contribues pas à aider les plus faibles. Tu ne contribues pas à aider les plus démunis. Tu ne contribues pas à soutenir celui qui est faible pour le relever. Troisièmement, tu es une personne infidèle. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu passes ton temps à te promener. D'église à l'église. Dimanche, ça, c'est ici. Dimanche prochain, tu es à l'autre côté. Après, tu vas à l'autre côté. Tu es un papillon. Chrétien papillon. Ça, là. Comment on appelle ça? Comment on appelle l'animal là? Caméléon va te manger quelque part. Sa langue est longue, ça. Tu vas. Tu n'es pas là. Oui. Tu vas des fleurs, en fait. Tu vois que les églises, c'est des fleurs. Chrétien, marche dans la justice, dans la droiture. Fais ce qui est juste selon Dieu. La malédiction ne s'attachera pas à toi. Tu es un chrétien, sois miséricordieux. Faut apprendre à aider les faibles. Le Seigneur dit, soutenez-vous les uns les autres. Ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être dans la prière, ça peut être même financièrement, ça peut être même par les vêtements, etc., etc. Ça peut être par beaucoup de choses. Tu peux soutenir ton frère et ta soeur. Mais on n'a pas le droit de soutenir ton frère ou ta soeur dans le sexe. Amen. Espèce d'impudique. Une débauche sexuelle. Nos frères, comme ça, nous, on est frère en Christ dans l'église là. Non, ma soeur, on peut se gérer entre nous. On se soutient. On fait comment? On a pris ensemble, on gère ensemble. Donc, on gère ensemble un peu. Et Dieu va nous comprendre. Dieu va vous comprendre. Il ne vous comprendra pas. C'est la malédiction qui est sur toi. Tes fesses, deux petites fesses de. Tous ces 4-5 ans que moi j'ai mangé avant qu'elle était au grand boulot, qu'elle était à l'école primaire. Tu vas prendre ça, le frère a quand même écouté, et puis tu as dit non, que non, frère, ça fait rien. C'est qu'est-ce qui est ici? On demandait pardon au Seigneur, lui est venu comprendre. Non, la soeur, ça fait rien, c'est qu'est-ce qui est ici? Ça, c'est entre nous. Mais de temps en temps, le Seigneur nous comprend, il sait qu'on souffre. Quoi? La malédiction est sur toi. Amen. Ton bouton va brûler en enfer. Toi, frère, tes gonales là vont brûler en enfer. Satan va prendre ça pour faire brochette. Pour manger ça, t'es bonheur. Vous voyez que c'est amusement? Vous jouez avec le Seigneur? Vous lui soutenez pour les uns les autres? Toi, c'est dans Warmachou, tu vas le soutenir. Hein? Toi, c'est dans la débauche sexuelle. C'est qu'en soutenant ça. Hein? Sois miséricordieux, compatissant. Sois une personne fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à ton mari. Fidèle à ta femme. Fidèle. Sois loyal à tes frères Christ dans l'église. Sois loyal à ton assemblée. Sois une personne loyale et fidèle qui marche avec Dieu. Tant que la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, tant que la sainte doctrine est dite, ne bouge pas.
Avant ce que tu vois, je vais aller ailleurs. Ne bouge pas. Mais votre passage, il n'est pas au chaud. Il parle trop, il n'est pas au chaud. C'est pas au chaud. C'est des marmailleurs. C'est des voleurs. C'est des hypocrites. Le seul, c'est des hypocrites. Moi, je ne te demande pas de m'aimer. Attends, si tu m'aimes là, ça ne va pas t'amener au ciel. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis en parler pour que tu aimes Jésus. Moi-même, là, je ne peux pas même m'approcher à Jésus. Je ne lâche pas la fête. Et puis toi, tu vas que c'est amusant. Moi, tu vois qu'il te parle quoi, il m'a fait n'importe quoi. C'est quel prière il fait pour mettre ça en pratique. C'est quel combat il fait, quelle lutte il fait pour m'accrocher à Dieu, pour m'accrocher à la parole de Dieu, après avoir fini de prêcher. Là. C'est quel combat il fait pour m'attacher à ça. Il s'est arrivé hier, il était fatigué. Je suis sorti, je suis entré vers les petits avec Aristide encore. Fatigué. On arrive au. Coupé le courant. Mon frère, quand je suis parti, je me disais encore, plus ou moins. Il s'est assis là. Il est si fatigué. Et puis ça, il avait les 1h du matin. Et puis il avait deux fois. Mais il fait deux jours, ça me lavait. Donc, s'il l'avait d'abord, normalement, il finit. S'il l'avait encore, deuxième fois, dis amen. Amen. Pour être propre. Comme ça, vu qu'il n'aime pas s'il l'avait. Il avait deux fois bien. Quand il finit, il me lavait. Il était à deux balcons. Il dit, bon, et quand je suis même à dormir, c'est moi, c'est pas ce que moi, il paraissait demain. Moi, il m'a dormi. C'est fatigué. Ça allait me coucher quoi. Et puis le bataille est branché par la foi, il est branché puis il est mis en marche. Donc vous pouvez se coucher moi dans l'obscurité. Tout le monde a fui pour me laisser dans ma chambre. Moi, même pas 10 minutes. Courage lui. Hey! Il y a un bien dormi maintenant. C'est dessus me dit, lève-toi, tu as commencé à préparer mes messages, c'est dessus, je suis fatigué, moi j'ai dormi. Toi, tu as parlé aujourd'hui. Moi j'ai dormi qu'à 6h30. Il me l'a dit. Il a placé sur quoi même. Pour cet esprit, il dit quoi. J'ai ouvert la Bible. Et que je suis venu à te prêcher. C'est à 6h du matin. Hein. C'est le message de 6h du matin. Il ne m'inquiète pas quand il s'agit de prêcher. C'est lui qui m'a appelé. C'est le monsieur appelé moi-même. Moi, il n'a pas été bipé. Vous bipé. Là, on l'a bipé. Moi, il ne m'a pas bipé. Même si moi, il doit 1h du matin, 1h45, 2h du matin. Il faut me l'écouter. Envoie un message. Donne-moi une minute, je te donne le message. Tout de suite. C'est mon don, c'est en moi. Quelqu'un dit, c'est dans mon sang. On ne force pas. On ne force pas. Il y a toujours dans mon fils, il ne faut jamais. Quand tu vas apprécier, il ne faut pas encore plus. Il apprécie quoi? Il dit quoi? Non, ne t'inquiète pas. Mais si tu t'inquiètes, c'est que tu t'appelais toi-même. L'homme qui m'a appelé, il me dit chaque fois, il va me mettre sa part dans la bouche pour aller parler. Donc moi j'y serai, amen. Même si on lui reste une minute, moi quand il me lève prendre le micro, lui ne va pas mettre sa femme dans la bouche, moi il va parler. Et pour moi il dit amen, hein. Amen. Maintenant, si j'ai dit qu'il faut écrire, il a écrit. Maintenant il vient et il te parle ça. Quand tu as quoi qu'il a préparé ça à 2 semaines, c'est à 6h du matin préparé. Moi j'étais fatigué, il dit Seigneur, moi je prépare. Seigneur, merci, je suis fatigué, il a dormi. Tu vois que c'est quand il a prié, oh Jésus, baya l'os, sacala. Quel message là a venu? C'est pas ça qui t'a fait que le message là a venu. Amen. Il m'a déjà appelé. Et puis, même le message, il faut dire amen. Il déclare que tu reçois cette option. Tu reçois le message. Dieu te parle. Dieu t'utilisera. Amen. Et je déclare qu'il t'utilise. Amen. Par son esprit. Après que tu saches que ce n'est pas par tes propres forces que Dieu va t'utiliser, mais par son esprit. Dis amen. Si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas miséricordieux, tu ne compatis pas aux douleurs des autres, tu n'es pas fidèle au Seigneur, la malédiction, je dis, la malédiction qui s'attache au fardeau, ce qui s'attachera à ta vie. Il y a eu un Seigneur qui a dit, c'est moi qui a dit. C'est un apôtre qui a dit. C'est Jésus qui a parlé, hein. C'est pas moi. Moi, il ne fait qu'interpréter. Mais dit, on le passe aussi du trop. C'est Jésus qui a dit, moi, il ne fait qu'expliquer ce que lui a dit. Hein. Maintenant, j'explique pourquoi toi tu puisses mieux comprendre. Bien que j'explique pourquoi tu mieux comprendre, quand tu as des états français attachés à la poubelle, toi, laisse le message, j'explique à Bati. T'as joué un bien pour l'éléphant d'Afrique. T'as écouté. Quand tu as sorti d'ici, tu as coupé, ça s'est comme les oreilles d'autruche. C'est comme la plus oreille. Quand il prêche comme ça, ça me regarde. Il faut que je sois concentré. Amen. Presse le vœu. Amen.
fleuve. Va là-bas. Bon, quand tu as Jésus, tu vas arriver, tu n'as même pas mis ça en pratique. Tu n'as pas juste te promener là. Mais là, je te suis dit, je vais t'en jouer. Donc moi, il faut le prendre notre porte que le pasteur dit, moi, je connais. Tu connais quoi? Tu connais rien. Sans péché. Mais j'en suis. Non, mais bon, mais papa, non, je prends note. Non, déjà, les notes là, c'est que par exemple, les petits chrétiens, si c'est ton petit chrétien. Là, c'est ton petit chrétien. C'est ton camarade. Prends note. Quand tu joues, tu as joué. Non, moi, papa, je prends note. Tant que le vide là, moi, il peut retenir. Tu mens, tu ne peux pas retenir. Amen. Amen. Tu ne peux pas retenir. Amen. Même l'intellectuel, même le diable, de toute façon, même il prend note. Il ne connaît pas plus de plein. C'est le groupe qui a décidé. Donc, quand on dépêche, mon français, il fait attention. Ce sont des professions qui sont là. Pourquoi ils ne vont pas vous appeler? Parce que ton mot là, il n'a pas sa place ici. Pardonnez, les boss. Il y a des bruits, quoi. Amen. Amen. Et bien sûr, maman, là aussi, tu comprends ce que je dis là. C'est les anciens. Toi et moi, on est parti à l'école. Donc, c'est des bruits un peu. Et puis, on parle. Et puis, on s'attend. Maintenant, les papiers, les cours. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es heureux ce matin? Amen. Même si tu es fâché, je vais parler jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais parler jusqu'à ce qu'il ne parte pas derrière les macosos là. Amen. Hein? Si tu restes à parler derrière Gédéon, je leur dis de coûter d'abord voir avant de se marier. Tu vas pas t'en. Non, Gédéon, la couleur, ça va quand vous te voir. Va. Va. Va, ils vont goûter. Comme tu as un loco là, un piment là, va, ils vont goûter. Tu as Yomi, Yomi à l'air. Pas ça pour dire, je suis Godogo non pour la vie, c'est un Godogo non pour la mort là. Alléluia. Dernier point, Matthieu 23, verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ne voyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapides et d'intempérance. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. La malédiction sur eux, parce qu'ils sont hypocrites. Hypocrites pourquoi? Parce que le Seigneur dit, vous nettoyez l'extérieur et puis le dedans est sale. Vous avez l'apparence de la piété. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Quand ils vont au cimetière de Kumasi, là, tout près ici. Les tombes, là, c'est joli, joli quoi. C'est qu'il y a dedans là, c'est pour dire qu'il y a dedans. Quelle que soit la beauté d'une tombe, c'est qu'il y a dedans là, c'est un cadavre. C'est pas ça? C'est comme ça les pharisiens est-ce que peut-être. Apparemment, ils avaient l'apparence de la piété. Quand soit c'est des vrais hommes religieux, soit c'est des vrais chrétiens, soit c'est des vrais pasteurs, soit c'est des vrais prophètes. En réalité, c'est des hypocrites. Dedans là, c'est la pourriture. Si Dieu pourrait ouvrir les retours pour que vous puissiez voir leurs mauvaises vies, ils font leurs péchés, débauches, ils font leurs mauvais trucs, ils font. Il y a un pasteur nigérien qui officie en Afrique du Sud. Il y a une très grande église. Un moment donné, il a resté mort. Avec ça, c'est un trafic d'influence. Amen. Ce gars-là, il a divorcé sa femme. Il a dit pourquoi tu divorces de lui? Son église, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Sa femme dit il a divorcé de lui parce que c'est un infidèle. Ça dedans. Malgré ça, les gens sont calés. Sa malédiction est sur eux. Recevez. Et puis quand il finit, ça s'est empouché à les femmes de haut. Et puis, recevez. Vous savez ce que vous recevez? Démon. Recevez le démon. Et puis, hey! Et puis les femmes, elles vous conduisent que ça a été touché. Esprit des serpents sont au nom de Jésus. Ça, c'est un serpent. C'est quand cet esprit qui va parler. Ton piment, qu'est-ce que tu as mangé là? Faut cracher ça. On peut cracher ça. Crache ça. Si tu parles, tu parles. Et la patate va chaque à la montre. Braille dans l'eau, sort. Là, c'est que. Si c'est pas serpent, c'est piment. Sors! Espèce d'esprit de gombo. À l'intérieur, les gens sont pourris. Maintenant, à l'extérieur, quand vous les voyez,
Tu as quoi que c'est un vrai pasteur. Il n'est même pas bon mon pasteur. C'est un quoi? Il est un maudit. C'est un maudit. Vous regardez alors la parole, quand vous la voyez. Non, ce pasteur doit être un saint. C'est pas un saint, c'est un sauvage. Il m'ouvre la petite fille. C'est un maudit. Amen. Ils ont parlé quelque chose. Ils sont versés quoi? Ils sont versés d'Abidjan. Il y a un homme là, il y a son film là-bas. Lui-même là, sa secrétaire. Lui, non, c'est ma secrétaire, attends, ça ne vient pas. Et puis, lui, il a l'école pastorale. Hein. Et puis, il forme des pasteurs. Et lui, il est maudit. Et les pasteurs sont formés en façon de pasteurs maudits. Est-ce que c'est bon? Bon, à cause de tous ces gens de comportement là, les gens disent que, après, les Jésus-là, c'est faux. Bon, ça, c'est un truc de blanc. C'est pas ce qu'ils disent. Et puis, j'ai raison. Mais le Seigneur dit la malédiction sur les gens qui créent ça. Alléluia. Amen. D'arrêter comme ça, c'est bon. Non. Ils me connaissent tellement. Oui, ça sera un caractère qu'on aura mis pour ici tout de suite. Donc, vous me voyez un méchant, hein? Si elle est méchant, c'est moi aussi méchant. Moi, je suis pas méchant. Elle me connaît pas. Moi, je suis fair play. Alléluia. Alléluia. Dimanche, on va prendre des grandes décisions pour l'église. Alléluia. Donc je veux que tout le monde soit présent, que personne ne soit absent. Tout le monde doit être présent dimanche. On parle de grand décision, on va réorganiser l'église. C'est une réorganisation de l'église pour mieux avancer. Parce que bientôt on va partir dans notre nouveau temple. Donc il faut qu'on se réorganise. Alléluia. Voilà. On se réorganise pas pour frustrer quelqu'un, pour blesser quelqu'un. Mais on se réorganise pour contenter tout le monde. Alléluia. C'est pas qu'on va arriver là-bas quand on s'est organisé. C'est ici. Dans la prochaine, on s'est organisé ici. Dans Porto, Porto, on s'organise ici. Là, quand on va là-bas, c'est le travail en pleine force. C'est pas ça, Isaac? C'est ça. C'est pas là-bas, on s'organise ici. Et puis, on va là-bas. Amen. Pour qu'on puisse bien aller. Alléluia. Arriver là-bas, si on n'a pas jeté des faux caméras. Mais des vraies caméras. Amen. Là, mais filme pas, moi, je filme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et pour filmer les cassons qui ont porté ta bête dans l'église gauche. Amen. Au monde d'un pied. Alléluia. Ils ont choisi venir à la maison et viennent avec chose. Zélite. T'appelles Zélite à l'église. Pas bon. Amen. Quand ils vont aller faire le show là, ils s'appuient bien. Quand ils viennent prier, Dieu. Oh, il m'a l'église. Eh, t'es où quoi? Oh, il m'a l'église. Oh, laisse ça. Jésus même, il s'en fout de ça. Qui l'a dit, il s'en fout de ça? Je veux que tu sois au moins quand même bien à Dieu, très propre quand même. Alléluia. Amen. On prie que le Seigneur te bénisse. Je vais être pour toi ce matin. J'ai assez parlé, je sais. J'espère que toi aussi tu as assez compris. Amen. Dimanche, il faut que tout le monde soit présent. Hein? Voilà, même ceux qui vont au travail, dites-moi que pour partir au travail, dimanche, on va venir pour l'organisation de l'église. Amen. Dimanche, c'est un culte d'adoration, de louange et d'organisation. Je vais prêcher. On va organiser l'église à tous les niveaux. Amen. Pour que l'église puisse aller mieux de l'avant, pour que chacun puisse occuper une fonction bien donnée, bien travaillée. Amen. Pour que le Dieu puisse aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu étais hypocrite, ne sois plus hypocrite. Amen. Tu as compris qu'il y a beaucoup de types d'hypocrisie. Amen. Faut pas rentrer du temps. Amen. Si tu es content ce matin pour le message que tu as entendu, lève-toi. Toi et moi, on va s'unir, on va dire merci au Seigneur pour sa parole. Jésus nous a parlé ce matin. Disons-lui merci. Ne soyons pas des hypocrites, ne soyons pas des tombeaux blanchis. Soyons des vrais chrétiens à l'intérieur et à l'extérieur. Lève-toi. On va dire merci au Seigneur pour sa parole. On va dire merci au Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci éternel le Dieu des armées. Merci éternel le Dieu de justice. Gloire à ton nom, Père. Merci Papa. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour tes enfants.